Eh bien salut tout le monde, c'est Hyrox, comment allez-vous? Moi je vais bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel pour comment avoir une arme dans Skyrim. Puisque c'était un abonné qui m'a demandé de la faire, je lui ai promis que je la ferai aujourd'hui, mercredi. Il vous demandait pourquoi je suis habillé en orque. Eh bien c'est un compte secondaire, je vais vous montrer. Mon nom, bon je sais plus où c'est Grum, j'ai pris vraiment un nom au hasard. Donc on est un orc, donc on est devant, comment dire, une tribu orc. Et je suis bien en impérial, hein. J'ai dû vendre un peu mes affaires pour aller à Fayez, la ville la plus proche, pour aller ensuite sprinter. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. Donc alors, pour trouver l'arme qui m'est demandée, donc l'arme que j'utilise dans mes aventures, en gros c'est le marteau de puissance, ou sous un autre nom, Volendrum. C'est un objet d'Edra, n'importe quoi, Dwemer, qui était oublié par les hommes en gros il y a longtemps. Et je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc c'est très très simple. Donc déjà il faut vous rendre à ici, donc à l'ouest de Fayez, à l'Argashbur. Ouais voilà, enfin un truc orc. Donc on peut pas entrer par la porte parce qu'on n'a pas la clé. Donc pour les joueurs PC, il y a soit TCL, vous entrez et voilà, passe muraille, ou pour les joueurs PS3 ou Xbox, que j'ai bientôt devenir, parce que j'ai décidé de prendre la version PS3 parce que ma version PC bug à mort, je suis obligé de si vous voulez, de programmer les commandes, aller en avant, tout ça. Et j'ai réinstallé, mais ça a un peu merdé. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y a des problèmes avec Skyrim PS3, mais bon, j'ai décidé quand même de le prendre. Donc pour les joueurs console, pour passer, vous pouvez aussi passer par là. Parce que derrière, il y a les montagnes, donc c'est un petit peu plus dur, mais par où je vous montre, c'est beaucoup plus court. Tac, tac, voilà, fini. Alors, donc on est dans la tribu. Alors, donc là, il y a un casque. Si vous voulez vous faire un stuff assez, je dirais pas assez haut level, parce que c'est quand même petite armure, mais ça peut quand même être pas mal. Pour faire ça, alors on va juste attendre une heure pour voir si les orques sortent. Non. Donc il s'agit en fait d'une quête d'Edra, si vous voulez. Donc le d'Edra, je crois que c'est Malakash. Alors donc c'est vous le chef. Bon, je vous spoil pas, hein, vous aurez qu'à lire. Je crois que... Putain, si j'aurais eu le Fusroda, je vous aurais dit, mais je vous aurais mis. Attends beaucoup de nous, blablabla. Y a pas un garde normalement. Je ne sais plus. À moins que je suis gouré. Non, c'est bien ici. Hein. Histoire. Voilà, c'est elle, je crois. Voilà. Moins que. Ou à moins en fait que je crois qu'il faut être un plus haut level en fait pour faire. Mais sauf que vous voulez mon compte nordique, je suis level 49 et j'ai déjà le marteau. Mais ce compte là, mais bon, on va faire comme si elle m'avait donné la quête. Donc elle va vous donner la quête et je vais un peu vous spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé, vous n'avez qu'à partir de la vidéo et ou à mettre en pause et quitter la page. Faites comme vous voulez. Donc pour avoir ce marteau, il suffit donc de parler généralement à cette cruche. Elle est dehors. Ensuite, il faut parler à ce gros con de chef. Voilà. Le code de Malakash. Voilà, c'est lui le d'Edra. Il va vous demander que la tribu est maudite à cause de gros glands. Et il va vous donner une quête. Et il va falloir en fait tuer les géants qui ont volé un truc à l'hôtel de Malakash. En gros, cet hôtel là, c'est à Malakash. Donc je vais vous dire où il faut aller. Et j'ai pas encore déverrouillé, si vous voulez. Il faut aller environ, je crois que c'est, ouais, environ là. Je vais aller à pied. On se retrouve devant la grotte. Salut tout le monde. Donc relais gens, donc je volais un cheval à Fayez. Donc en gros, vous prenez les écuries, vous suivez un petit peu ce chemin et vous arrivez à une grotte, la grotte de Roche Brune. Donc si vous avez déjà trouvé, c'est rapide. Donc alors, je vais vous montrer comment faire à peu près pour l'avoir. Il y aura encore du spoil, hein, donc si vous voulez quitter, c'est maintenant.
Alors donc on va attendez juste TGM parce que je suis vraiment à bas level et j'ai pas envie de prendre 20 ans à tuer des géants. Parce que oui, c'est un magnifique bug. Je dois jouer en mode expert. Ah là là. Donc il va falloir tuer des géants si vous voulez. Bon là il y a des loups d'abord. Je suis en mode expert, je suis intuable. Mais. Voilà, crève. Alors on fonce, on fonce. Donc là en bas il va y avoir des géants. En plus j'ai fait cette quête là sans aide. Hein, je vous le promets en tout cas ça marchera pour l'avoir. Donc il y a les géants. Ouah ça c'est des ours. Ouais moi en gros en. Ah ok, en fait les géants ne sont pas encore arrivés. Donc je m'excuse, ce tuto n'est pas vraiment à jour, mais bon, je crois qu'il faut être un level genre 15 ou 20 pour pouvoir faire ce. Bah pour avoir cette arme. Mais il me gonfle. En gros, il y aura un géant là. Je vais faire de souvenirs. Voilà, fini ce combat. Donc il y aura un géant là. Donc il y en aura un à tuer. Il y en aura un là que vous pouvez faire à l'arc. Mais sérieux, il y en a combien des loups? Non, c'est Ragnar. Mais tu vas crever, ouais. Là-dedans, il n'y a rien. Je crois juste un. Non, il n'y a rien. Si, je crois qu'il y a un. Je sais plus. Oh, mais c'est parfait. Oh, ok, d'accord. Laissez-moi juste changer si on peut. Ah, bah voilà. J'ai enfin réussi. Ou au moins que ça va pas sauvegarder. Bah si pourtant. Bon bah en gros mon épée c'est de la merde. Bon j'essaie de le tuer et... Ah, tu crèves. Bon c'est pas grave, je le laisse tranquille. Donc là il y aura encore un géant. Donc toujours accompagné de l'autre chef Yamarch de mes couilles. Il y a Malakash qui va lui demander bah, de vous accompagner dans cet endroit. Et vous allez, il y aura encore je crois que ce sera un ours ou deux là par contre. One shot, one shot. Donc ensuite il faudra tourner à qui est-ce que c'est encore? Oh mais encore des ours. Donc ensuite il faudra continuer et c'est un gros fail. Ah non non non, attends, attendez, attendez, attendez. Je regarde la carte s'il y a quelque chose. Ah, il y a bien un truc en face normalement. J'ai peut-être TCL. Ah voilà. En gros, si vous voulez, le mur est caché. Et normalement, est caché. Et... D'accord. Bon, ça m'apprendra à utiliser les cheat codes. On va remonter. Ma magnifique culotte. Alors, c'est là. TCL. Donc normalement, le mur sera dégagé. Donc, bon là, c'est normal, il y a du vide. On fonce et on va vers le bosquet du géant. Donc normalement à ce moment là vous êtes toujours accompagné du chef et vous avez tué au moins environ 3 ou 4 géants et vous pourrez aller là. Attendez, là en fait c'est marqué accompli mais en fait j'ai tué aucun géant donc un petit bug je pense. Donc vous êtes toujours accompagné, vous allez devoir tuer le quelques géants, je crois qu'il y en a encore un ou deux, un je crois. Vous pourrez déjà le faire facilement à l'arc. Il est là ou pas? Ouais, c'est lui, voilà. Si je vous mentais pas, il y a bien des géants. Ah, je lui fais pratiquement aucun dégât. Alors, je vais voir si dans le coffre, il n'y a pas des bonnes armes. Non, j'ai que de la merde. Nya, nya, oh là, tu crèves. Je m'en fous de mon niveau 29. Putain, je suis en mode novice, je déconne pas, j'ai une arme, une unité impériale. Et qui fait du... 7 de dégâts. Bon, la masse est un petit peu plus puissante, mais bon. J'ai pris un orc pour le lolz, hein. Je jouerai jamais avec un orc, moi, je préfère les... foncer dans le tas avec un barbare. Donc voilà, j'ai enfin réussi, et il bug un petit peu. Il y a juste la moitié du corps dans le... dans le sol.
Donc après avoir tué ce... Bah, la preuve, il y a tué un orc. En gros, c'est l'hôtel de Malakash, si vous voulez, ça, on reconnaît... Ton truc. Et vous demandez, mais pourquoi il n'y a pas de marteau, tout ça, on devait trouver. À cet instant-là, en fait, il y a Malakash qui veut vous demander de tuer le chef Yarm, parce qu'il n'est pas, pas fait pour diriger, si vous voulez, le clan. Donc vous le tuez, il va vous provoquer, ou alors... Je crois que c'est lui qui va vous foncer dessus, ou alors... Ou c'est Malakash qui va vous demander, bon, c'est un des deux. Vous allez le tuer à peu près là. Vous allez vous téléporter... Bon, en gros, vous avez tué, vous allez... Ça va être indiqué revenir à la... longère. Et on peut pas faire de déplacement rapide. Donc je... On se retrouve, juste devant le... Comment dire, la tribu orc. Donc relégeant, donc j'ai fini par sortir ces putains de grottes et à retrouver le truc. Bon, c'est toujours fermé. Bon, TCL, casse-toi, voilà. Donc ensuite il y a le, quand vous êtes entré, il y a le personnage donc noir que je vous ai montré tout à l'heure, la robe noire, le femme un peu là, qui vous avait demandé de l'aide. Elle va vous demander de pourquoi il est pas revenu avec vous le chef. Il va vous, il y a une boîte de dialogue qui va vous demander par exemple je l'ai tué parce que genre je crois que c'est Malakash qui vous en a donné, je sais plus du tout. Et blablabla. Ensuite il y a Malakash qui va parler son discours comme d'hab des Dédra. Il va nommer un nouveau chef et je sais pas directement en fait, mais il va avoir en fait, si vous voulez, bon, à la place de ce putain d'armure de merde. De cette merde, il va avoir un marteau qui va apparaître, ce sera Volengdrug. Le marteau que j'utilise, si vous voulez, dans le dans ma quête principale. Et voilà. Donc je fais une petite parenthèse juste de deux secondes. J'ai réussi à commander mon Dazzle. Il arrive entre donc aujourd'hui on est le 12-12-12. Voilà. Il est 12h12, je déconne, il est un petit peu avant 2h. Et on a reçu, et je le reçois entre le 13 et le 17, donc entre demain, jeudi, et j'ai calculé, je crois que c'était dimanche ou lundi, je crois que c'est lundi prochain. Donc juste avant Noël, bon je l'aurai qu'à Noël, mais bon, je pourrais quand même vous le montrer, je ferai une petite vidéo, je pense, pour vous le montrer. Et voilà, donc j'essaierai aussi Skyrim sur PS3. Bon bah j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, j'ai aucune idée, il a duré combien de temps. Je sais que j'ai pas été super précis en donnant des informations, mais bon, si vous voulez, c'est pas une quête normalement à ce niveau là qu'il faut faire. J'y mettrai en annotation, je pense, le niveau auquel il faut être pour faire cette quête. Bon bah n'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu, à commenter et à vous abonner pour suivre mes futures vidéos avec mon Dazzle sur PlayStation 3, notamment sur MW2 ou Battlefield. Salut tout le monde.